c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se trouve au canapé là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe les filles? On a froid. Vous avez froid? Oui. Bah, malgré le chauffage? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous réchauffer? Et si on se faisait un petit goûter bien chaud, bien gourmand pour se réchauffer? Oui. Oui? Ça on vous dit? Nos gants. Vous gardez vos gants? Ouais. Allez, on y va, on va se faire un petit goûter. Moi, j'ai mes boufles. Oui. Mes pantoufles. Non, des boufles, les pantoufles, ça se met au pied. Allez, on est parti pour se faire un bon goûter. Salut les copains, c'est Léo et Justine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on espère que vous allez bien, oui, avec ton bonnet Mickey. Là. On espère que vous allez super... T'es mini, toi? Alors, on espère que vous allez super bien, que votre entrée des classes s'est bien passée. Nous, ça s'est super bien passé. Les filles ont été contentes de retourner à l'école, revoir leurs copines. On vous souhaite une bonne année aussi, hein? Oui. Ce serait pas mal. Oui, et du coup... C'est fini, mais ouais. Et du coup, là, pour se réchauffer un petit peu, parce que nous, par chez nous, il fait un petit peu frisqué. Et pour se réchauffer, on a décidé de se faire un goûter gourmand. Mais pas n'importe comment, on va se faire un goûter grâce au food hack qu'on a vu sur TikTok. Ouais. Donc, premier food hack, c'est un gâteau à la pâte à tartiner. Ouais. Ouais, ouais. Donc, en fait, on trempe dans du lait. Et ça devient un chocolat chaud. Non, c'est pas ça du tout. T'as plus fondu à l'autre. Non, alors premier food hack, du coup, des biscuits, des gâteaux, on va voir. Je parierai plus pour un biscuit parce qu'il faut pas grand chose quand même pour ça. Donc il nous faut 300 g de pâte à tartiner. Ouais. Sans de pâme, bien sûr, parce que c'est très ça, important. Du et de la farine. 150 g de farine. Alors, il faut mettre la pâte à tartiner dans le saladier. Donc, hop, Justine, tu mets la pâte à tartiner dedans. Moi, je mets ça. Oui. Ok. Vas-y, donc, tu vides hein, les 300 grammes. Ça sent bon. Non. Après, de toute façon, pour la faire, on ne va pas la faire à la vaisselle. Tu vas le laver comment? On va laver avec une oeil dedans. Non. C'est pas la fait ça fait mal en fait. Non. Si, c'est pas bien. C'était pas bien toi dans ta tête. Si, c'est 2021, ça te va pas? 2021, il a vraiment changé. 3 jours et il a changé. Ah, c'est bon, t'as tout mis? Il y en a sur la cuillère. Et donne à Mewen. Tu frottes bien? Oui. Donne après à Mewen. Donc, Justine, elle verse la farine pendant que toi tu finis le Nutella? Ouais. Là, c'est moi qui verse la farine. Alors, Mewen, tu verses la farine dedans. Alors, dans la vidéo qu'on a vue, il verse. J'ai enfilé, c'est le chocolat aussi. Oui, bon, ouais. Il verse la farine directement dedans. Voilà. Et, il mélange. Alors, avec la cuillère? Avec la cuillère, oui. Tu peux mélanger? Bah, toi, tu veux pas finir le. Ah, oui. Si. Tiens, gourmande. Vas-y, Justine, alors. Je savais déjà. C'était sûr qu'il y en a là. C'est bon? Alors, Mewen qui vient de nous dire qu'elle est faite pour le chocolat. Et ça se voit. Elle a été créée pour manger du chocolat. Et ça se voit. Et ça se voit. Donc là, on a mélangé au maximum qu'on pouvait à la cuillère. Donc ensuite, dans la vidéo, il le fait avec les mains. Donc Justine, main propre, et elle y va. Main sale, et on y va. Non, on n'y va pas, main sale. Vas-y, bah tu mélanges, Justine, vas-y, vas-y. Tu fais une boule, hein. Hop. Ça colle au doigt? Oui. T'as du chocolat partout. Il y a même qui s'incruste. C'est trop bon le Nutella, ça fait ça. C'est pas du Nutella, nous, on n'allait pas de Nutella. Si. Non. Non. C'était du bananier. Tellement... Parce que c'est sans huile de pain, mais c'est meilleur. Et c'est tellement bon le bananier. Ouais. Meilleur que le Nutella. C'est du bananier? Oui. La première marque de Nutella de pâte à tartiner. Après il y a Nutella. C'est du chocolat. On voit presque pas la différence entre le visage de Mewen et notre pâte à gâteau.
Oui. Il y a autant de Nutella sur le visage de Maëlle que dans une pâte à gâteau. Donc voilà, après l'avoir bien mélangé à la main, ça nous donne ça. Donc là, les filles, il va falloir faire des petites boules. Et les placer dans le... sur la plaque avec le papier sulfurisé. Et après, prendre le dos d'une cuillère et appuyer un petit peu dessus. Oui, oui. Faut pas que ça... Donc c'est parti, vous faites des boules. Oui. Vas-y, Justine. Et après, quand vous avez fait une belle boule, vous la mettez sur le papier. Elle est belle. Voilà. Et après, tu appuies ce petit marqué. On le fera après, d'accord? Oui, et on peut appuyer. Vas-y, mais ouais, tiens, elle est bien. Tu peux la mettre aussi. Ouais. On va les espacer un petit peu. Hein. Hop. Un mètre de distance. Ouais. Entre chaque boule. Oh là là, mais Wendy, t'as du chocolat partout. Non, bah, je pense que là, les 1 mètre ne sont pas respectés. Hein. Non, non. Oh là là, là les gestes barrières. Bon, vous êtes sœurs, donc c'est quand même dommage. Ouais. Hop. Et ça devient tout gros quand Pendant que vous faites les boules, vous avez envie. Oui, il y a un problème. Vous voulez passer un coucou à quelqu'un? Coucou, mes copines, coucou. Lola, coucou Léonie, coucou Soumé, je fais peut-être une nouvelle amie. Pardon ? Coucou Louis, coucou Lily, Léonie et Papy. Et Papy. Et Alicia. Bah moi je fais coucou à Juliette. D'accord, toujours la même. Pas Hugo ? Ouais. Pas Hugo ? Moi, je le vois tous les jours. Moi, je vais tout de suite, tu me dis. Bon, allez, on y va, les filles. Allez, je vais vous donner un coup de main, du coup. A tout de suite. Par contre, ça sent super bon, quand même. Ouais. C'est pas encore cuit, mais ça donne super bon. Donc, voilà ce que ça rend après, les avoir, après avoir écrasé avec moi, une cuillère. Ouais, les boules. Du coup, comme on est des gourmands, on a fait des gros, mais aussi des petits. Et une petite. On a oublié d'écraser sa chicha. Oui. Alors donc les copains, comme ça, écraser avec le dos d'une cuillère. Est-ce que tu peux prendre? Il veut pas sortir. Seulement que ça. Hey. Oh, oh. Voilà. Voilà. Donc là c'est parti pour 15 minutes au four à 180 degrés. Oui. Donc quand ça sera cuit, on va goûter et on va valider ou non ce food hack. Oui. Je mets ça au four et on passe au prochain food hack. Oui. Alors en attendant que les petits biscuits cuisent, on passe à notre deuxième food hack. Et celui-ci, c'est un food hack très 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 gourmand et je pense très 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 calorique. Donc on va pas trop en abuser. Oui. Donc pour ce food hack, il nous faut... Mais ouais, c'est quoi ça? Des trucs à manger. Des trucs à manger? Des chamallows? Oui. Ouais, et là du popcorn. Du popcorn. Donc nous, on va prendre du popcorn qu'on fait au micro-ondes. Du beurre. Il va falloir du beurre. Oui. Voilà. Donc, mais on fait ça et ça. Très bien. Il faut un peu. Il va falloir mettre. Et une cuillère. Bon, mais je peux parler ou. Voilà. Je crois qu'elle connaît. Et encore. Donc là, on va aller. J'allais faire cuire les pop-corns. Donc c'est 2 minutes, 2 à 3 minutes au micro-ondes. Donc on revient tout de suite. Ouais, on attend. Allez, on va faire cuire les micro-ondes. Non. T'as mangé déjà assez de pâte à tartiner comme ça, ouais. Et déjà les chamallows, alors je vous explique pourquoi on vous les présente dans un bol. Bon, parce qu'on va, il faut en avoir besoin, on va devoir les faire fondre. Mais surtout que Mewen, quand elle a vu les chamallows, elle a ouvert le paquet pour en prendre et elle a arraché tout le paquet. Là, les chamallows sont dans un sac à congélation. Eh ben, Mewen. Les gourmandes. Bon, allez, on va faire cuire les pop-corn. Mewen, 2021. Hey, il fait de plus en plus peur. Oh non. Alors ça y est, le popcorn est cuit, donc voilà, donc le sachet a gonflé. Ah oui, je ne vais pas montrer comment on va faire ça ensemble, je crois le sachet. Donc à la base c'est tout plat comme ça. Voilà. Et ça devient comme ça. Et là, 2 minutes plus tard au micro-ondes, voilà, mais c'est chaud, donc surtout. Les enfants, ne le faites pas tout seul, faites-le avec vos parents au cas où. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans me brûler. Voilà, papa, il s'est pas brûlé. La méthode de papa ouvre
travail de temps. Donc voilà du bon popcorn. Donc tu vas mettre un peu de popcorn dans le bol, Justine. Et Méwen, toi, tu vas mettre dans le chamallow, on va mettre un petit peu de beurre. C'est d'accord pour le mettre, oui. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein. Regardez-moi, c'est égo. Voilà, c'est très bien comme ça. On va pas en mettre mille. Alors, quoi bon, j'ouvre le beurre pour Méwen. Oui. Et Méwen, tu mets un petit peu de beurre dans les chamallows. Ouais, un petit genre, ouais, t'en remets un petit peu. Oui, là, ça sera. C'est bon après, hein. Vraiment un petit peu, pas beaucoup. Et c'est parti pour mettre ce mélange 20 secondes au micro-ondes. Donc, on revient tout de suite. Ça peut laisser la cuillère? Non, c'est du beurre, non. Et on va en avoir besoin après. Si tu en as mangé? Ouais, vous pouvez en manger aussi. Allez, à tout de suite. Les gourmandes, regardez-moi ça. 20 secondes plus tard, voilà les copains. Donc, les chamallows ont gonflé parce qu'ils ont fondu, le beurre aussi. Mais ouais, tu mélanges, vas-y. Faut bien mélanger. Si tu arrives pas, tu me mets dedans. Allez, on se dépêche parce que sinon les chamallows ils vont vite. Ramollir. Non, non, mais ils sont déjà ramollis. Ils vont venir durcir, donc il faut bien mélanger. Donc, on mélange. Je vais donner un coup de main. Allez, on revient tout de suite, je vous donne un coup de main à mélanger. Hop là. Donc là, les filles, donc là c'est bien mélangé, voilà. Donc on va le mettre dans le popcorn. Regarde, ça va être super, super bon ça, je pense, honnêtement. C'est encore un mètre. Et là, il faut mélanger. Ah, regarde. Ça va être tellement bon. Je pense que ça va être bon. Complet, là. Là quoi? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les filles. Ça va être trop bon. Ça va être bon, ce nom. Ouais. On va en écouter après. Qui c'est qui veut écouter du coup? Vas-y. C'est bon? Ouais. Non, c'est pas moi. C'est trop bon? Ouais. Écoute. Ouais, je vais goûter. Oh oui. Mais c'est super bon. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Oh là là, c'est trop bon. Ah, j'en prends un dernier. On va laisser pour Jojo. Mais c'est tellement bon! Ben c'est ça, c'est tellement bon en fait! Je pensais pas que ça allait être comme ça. Moi je pensais que ça allait être trop sucré, tout ça. Mais en fait, avec le beurre, ça enlève le sucre. En plus, nous on a mis du beurre au demi-sel, parce qu'on aime bien ça. Ouais. Et c'est super bon en fait. Mais Wen, quoi? Tu le valides le fait de ce fait que. Ce fait. ce foot hack? Ouais, et toi Justine? Ah oui. Bah, moi je le valide à 2000%, quoi, c'est trop bon. Moi, 9000%. On passe au prochain? Ouais. Ouais. Mais arrêtez de tout manger là, dis donc, sinon on aura plus pour la fin. C'est pour notre goûter? C'est tellement bon. Allez, à tout de suite. Papa, moi j'en ai pris. Monte tes doigts. Alors après, la bouche pleine de chocolat, les mains pleines de chamallows. Mais Wen n'est pas gourmande du tout. Non. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Ne croyez pas ce que Méwen va vous dire. Ah. C'est très cool. Ah là, il faut pas me le croire. Bon, allez, à tout de suite. C'est pour on moi. Met sa main dans sa bouche. Moi. Que pour toi, tout ça. Ouais. Alors, les filles, je crois qu'on va avoir un petit souci avec les gâteaux qu'on a fait au début. Oui. J'ai été obligé de les arrêter. Ça fait pas 15 minutes, mais ça commençait déjà à. Le dessous a cramé. Donc qu'est-ce qu'on va les laisser refroidir, on va y goûter après quand même, on va voir si c'est validé ou non. Mais je ne pense pas. Du coup on passe à notre troisième food hack. Oui. Ouais. Et les filles, quoi? Pour bien se réchauffer l'hiver, on peut faire quoi? Un chocolat chaud. Un chocolat chaud? Ouais. Ouais. Mais pas, on va pas le faire comme d'habitude. Là, on va prendre notre pot. Donc
Mais ouais, tu vois que c'est banania et pas Nutella. Donc, sans huile de palme. Tiens, Justine, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Et c'est trop bon. Il est vide. Oh. On est d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cela? On va faire chauffer du lait. Et on va le vider dedans pour récupérer le banania et se faire un chocolat chaud. Oh. Donc les copains, si vous regardez ça, vous demandez à vos parents de s'occuper du lait parce que c'est très chaud. Et Méwen, tu reviens dans devant la caméra s'il te plaît, on ne voit plus. Il faut montrer un truc de Noël. Oui, mais tu montreras tout à l'heure, d'accord. Là, on est sur ça, ma douce. Donc j'arrive, je vais me faire chauffer le lait et on revient avec ça. Oui. Allez, à tout de suite. Chaud, je vais le verser dans du chocolat. Ouais, après on va mettre dans tes tasses. C'est bien parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. On va mettre une paille pour pas qu'elle sonne. Là, je vais refermer. Tiens, si tu peux refermer, s'il te plaît, tu fermes bien. Donc voilà, on a mis le chocolat dedans. Donc là, Justine, tu l'as bien fermé. Oui, je vais le secouer. Ah, c'est très chaud. C'est très très chaud. Bah, c'est super bouillant. Je vais prendre un truc. Hop. Ça, quand ça s'appelle un corps, madame. Okay. Ou les enfants. Ou les petits. Ou les. On le secoue, secouez. C'est dur à secouer en tenant la caméra par contre. Secouez. Si tu peux ouvrir, on va voir si c'est. Oh ouais, ça a pris. Ça a pris, on dirait, hein. Ouais. Je vais bien mélanger à la cuillère. Ça peut regarder, ça peut pas, moi. Non, ça a l'air d'être... Ça a pris, je crois. Je pense, hein. Ah oui. J'ai fait mon... créer des tasses. Ouais. Alors, tu me donnes des tasses. Et voilà, est-ce que c'est la Noël? Ouais, c'est la tasse. Mais... de qui? De Sophie Fantasy. Ouais. Je en ai fait passer une. Du coup, on m'en a re-acheté. Oui. Allez. On va mettre du chocolat dedans. Ça va être trop bon. Et vous allez me dire, en fait, on ne sait pas si ça va être trop bon, en fait, vous allez nous dire. Ouais. Donc voilà. C'est sûr, ça se voit, ça a pris. Comment ? C'est sûr, ça se voit, ça a pris. Ouais. C'est un peu chaud, donc je prépare ça et on revient tout de suite, d'accord ? On met au frigo. On a les copains. On a versé le chocolat et comme nous on est des gourmands de chez gourmands, on prend quoi? De la chantilly. Attention, un petit peu de chantilly, un petit peu, voilà, et un petit peu là aussi, voilà. Et comme on est des vrais gourmands, on va mettre des petits bonbons dessus. On va voir. Voilà. On est des fruits gourmands, on en met un peu. On met de tout? Ouais. Allez. Comme on est des fruits gourmands, on met tout. D'accord. Hop. Ensuite, il faut que ça se tourne, je crois. Tu veux que je fasse? Ouais, je veux bien parce qu'avec une main c'est un peu difficile. Ouais, papa, ce ça faut pas qu'il tient la caméra quand on a fait la première vidéo. Je c'est croyais bon que merci. C'était moi qui tenais la caméra, mais en fait c'est papa. C'était moi? Ouais. Là on va mettre des petites étoiles. Comme les plantes. Voilà. Et ensuite c'est des petits vermicelles de chocolat. Et là, chocolat comme le chocolat. Là j'ai envie de vous dire. C'est pas un chocolat chaud de gourmand ça? Et la petite paille. Chris, Flolette. J'entends Flolette. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà mademoiselle. Voilà mademoiselle. Merci. Ça a l'air chaud. Vous y goûtez pour voir si c'est bon, non? C'est trop bon. C'est trop bon. Ouais. Ouais. Food hack validé.
Ah. Oui, mais c'est chaud. Ah, tu t'es brûlé, d'accord. Est-ce que vous voulez goûter au gâteau que vous avez fait? Oui. Donc voilà, après cuisson, voilà, ça donne ça. Donc petit conseil, mes copains, ne les faites pas cuire 15 minutes comme il est dit dans le food hack. C'est vraiment trop long. 15 minutes, nous, ça nous a quand même un peu cramé. Non, non, tiens, prends le petit qui est là. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont les mieux cuits. Voilà. Et vous y goûtez. Oh, ça a l'air d'être dur à croquer. Mais c'est bon. C'est bon? Tu t'es fait mal? C'est trop dur? Pas mal. Elles sont super bonnes. C'est super bon. C'est dommage que c'est dur. Donc je sais pas. Il manque quelque chose dans cette recette, je pense. Ouais. Est-ce que vous validez? Bah, moi, je valide. Et toi, Miwen? Moi aussi. Toi aussi, tu valides quand même? Donc, les trois food hugs ont été validés? Ouais. Donc, les filles, attendez, attendez. Ça ne serait pas un goûter de gourmand pour bien se réchauffer l'hiver? Oui, c'est l'heure de goûter. Et ça devant Disney Plus, devant un Disney ou un dessin animé Disney, c'est pas l'Amérique, hein? Ouais, ça vous dit de le faire? On se met devant un Disney, dessin animé Disney, ouais, oui. Les filles en plus, ouais, allez, bon, on va préparer ça, ouais. Après, il faut qu'on fasse lequel qu'on choisit comme dessin. Oui, t'inquiète. Oui, mais... Allez, bah tout de suite, tes copains. On va se préparer ça. Faut aussi pour faire aucun. Et voilà, le Disney est mis, donc c'est vice versa. Ouais, et les filles sont en train de regarder vice versa avec leur goûter. C'est des personnages, en fait, qui sont dans la tête. Dans la tête, oui. Dans la tête. C'est les émotions, ouais. Alors, est-ce que ça vous va, ça? Ça vous avait réchauffé par rapport au début de la vidéo? Vous êtes bien réchauffé? Vous êtes contente? Donc il reste plus qu'à dire au revoir aux copains. Au revoir. Après, nous, vous mettez on vous fait plein de... Bisous. Plein de... Gala. On vous... On vous dit à la... prochaine. Ciao, ciao. Bon appétit les filles. Bon goûter. Bon goûter. Bisous.